Bon, du coup les gars, on va commencer la dégustation. Ouais. Le prêt. On est parti. Et en route là. Ouais. Oh, la Pokéball est bonne. Ouais, je sais pas c'est quoi le goût, mais c'est pas terrible. J'ai jamais goûté une boisson. Ça s'appelle Gimli. Eh bien salut tout le monde, c'est Rigasca, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dégustation bonbons. Voilà, donc je vous ai dit, je vous ai pas dit exactement c'est quoi comme bonbon. Du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui avec LBK Outa. Comment tu vas mon petit frérot? Eh ben moi, comme d'habitude, ça va très bien. 4 ans après mon pote. Ah ben, 4 ans qu'on s'est pas vu les gars. 4 ans qu'on s'est pas vu et on se retrouve enfin aujourd'hui. Combien je t'ai dit? On est samedi. Ouais. On est samedi 15, je crois. Je peux expliquer pourquoi on est plus depuis 4 ans. Ouais. Si j'ai l'honneur, je peux expliquer si ça te dérange pas. Bah vas-y, explique. Je vais t'expliquer. On était depuis la 6ème, on se connaît. Depuis la 6ème, on est potes. On s'est connus au collège. On s'est jamais quitté, on a toujours été ensemble, on est récré et tout. Même en 5ème, dans la classe, on était ensemble. Ouais, je crois qu'on était ensemble. Et François aussi. Et ça s'est bien passé. Toujours des bons délires, t'as vu. Ouais. Et le 4ème, malheureusement, j'ai pas pu trop en cours. C'est pour ça que je sais pas comment déjà j'ai fait pour ça en 3ème. C'est ma moyenne. Et malheureusement, le Covid a dû tout nous couper d'un coup. On n'a pas pu se voir. J'ai pas pu retourner en cours après à cause de ma maladie. Je n'ai pas pu revenir en cours. J'ai pas pu faire la fin d'année. Du coup, on s'est pas revu. Moi, je me suis mis en apprentissage maintenant, donc je travaille. Au moment où j'étais en 3ème au collège, un jour, je pouvais venir. Et quand je suis allé au collège, on devait se voir. Et si ça m'appelle bien, mais malheureusement on s'est croisé. On s'est pas reconnu. Je sais pas si tu m'as pas reconnu ou tu m'as pas vu. Et on s'est pas. On n'a pas dû voir, il n'a pas dû me voir. Du coup, bah, je suis venu aller au collège. J'ai pas. On s'est pas vu malheureusement. Moi j'ai aperçu de loin et quand j'ai voulu aller le voir, bah, il est rentré dans le car. Donc c'est bon. Voilà. Mais là on se retrouve 4 ans après, on se retrouve ensemble et ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Mec, maintenant que vous connaissez l'histoire, ça fait du bien. 4 ans après, c'est un truc de malade. Puis là, du coup, ouais, vidéo, du coup, on avait fait. Bah, c'était mes débuts de ma chaîne en plus, les gars, il y a 3 ans. Ouais. Exactement, il y a 3 ans qu'on a fait une vidéo ensemble pour sa chaîne. Ouais. Voilà, donc moi j'étais à mes débuts de ma chaîne. J'avais, je crois que j'avais 10 abonnés à cette époque-là encore. Voilà, c'est il y a 3 ans. Et en vrai, les gars. Hein, j'ai fait une vidéo que j'ai vu sur ta chaîne. Ouais. C'est mon ancien nom, par contre. Parce que là, je suis un nom. Mais c'est mon ancien nom. Poto Rico. Poto Rico, je m'en rappelle encore, celui-là. Oh, ce nom, il est incroyable. Poto Rico. Oh là là. Je peux expliquer pourquoi. Ah bah oui, vas-y, explique pourquoi. En fait, je t'explique. Oui, Poto Rico, c'est le pote à Lorenzo. Il est tout le temps défoncé. Et j'avais dit ce nom-là, il m'avait donné ce nom-là. Parce qu'on arrivait en été, et moi en été, à cause du pollen et tout, j'ai laissé arraché, je suis tout en défoncé. Et du coup, pour rigoler, il m'avait appelé Poto Rico. Et je me suis dit, putain, ton là, je suis tout en défoncé, c'est bien, faut trouver un mec qui me rime avec moi. Et du coup, on a mis Poto Rico. Et moi, j'avais commencé tout, ma chaîne, j'avais arrêté. Et là j'ai recommencé, je me suis mis sous le nom de LeB44. LeB parce que LeB ça fait partie de moi, de mon identité par rapport au B. Donc 44 parce qu'on vient de Nantes mon pote. Bah ouais. Et Nantes, bah 44, du coup LeB44. Et ça fait plaisir. Ouais. Là je reprends du service. J'ai pu enfin en discuter avec des personnes de ma chaîne. Et du coup maintenant je peux recommencer prochainement à faire des vidéos. Donc ça fait plaisir. Ouais. Voilà l'histoire. Voilà. Vous avez l'anecdote. Voilà, exactement. Vous avez tout maintenant. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ça fait tellement plaisir. Bref les gars, avant qu'on commence de tourner, on s'est présenté. On a tout fait. On vous a tout raconté toutes les histoires. Maintenant, on va passer
au vif du sujet. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, très important, d'aller vous abonner à sa chaîne également, activer les cloches, les deux cloches pour recevoir les nouvelles vidéos qui va sortir dans peu longtemps, de BLV. Et de ma part également, qui devrait sortir dans peu de temps aussi, j'espère en tout cas, j'espère avoir le temps de les monter. Et puis, n'oubliez pas aussi les pouces bleus, très important les pouces bleus, commenter, puis partager les vidéos. Ah bah c'est sûr. Quoi. Ouais, et puis il faut les partager à à vos familles, à vos copains, copines, tout ça. Vous connaissez le bail. Bref, les gars, on se retrouve juste après l'intro des Barbies. Bon du coup les gars, on va ouvrir le paquet. Voilà, donc le paquet, voilà, c'est des petits lutis de Pikachu, enfin Pokémon plutôt, pardon. Et puis bon, comme vous voyez, la matière, ça donne pas trop envie, mais en vrai, ça peut être un délire. Ça peut être un délire. On va essayer. Ouais, il y a un cas. Faut avoir plus directement la vidéo parce que. Ouais. Par contre, ça sent. C'est incroyablement bon. Ouais. Alors moi, je suis. Et comme il est électrique, du coup, je commence avec un Pikachu. J'ai mal à la gueule de Pikachu, mon pote. C'est bizarre, hein. Moi, je sais même pas avec quoi je commence, gros. Ouais, c'est bizarre, ça. Je sais pas. Regardez avec quoi je commence. Ça ressemble à rien du tout. Ouais, c'est vrai que. C'est bizarre. Après les gars, je vais vous avouer, moi, je sais pas que j'aime pas, mais je m'y connais pas trop, tu vois, en Pokémon. Moi non plus. Hein. Je connais pas trop. Donc, tu vois, c'est pas que j'aime pas, mais tu vois, j'aime bien, mais regardez un peu quand j'étais petit. C'est tout, enfin voilà. Quoi. Je suis pas plus intéressé que ça. Bon, du coup les gars, on va commencer la dégustation. Ouais. Vous êtes prêts? On est parti. Non, non. Ouais. Mais en vrai. Non. En vrai, il est pas dit. Oh bah j'ai une petite Pokéball. Putain, donne pas trop envie. Hein. Puis la couleur. Regardez la couleur du machin, toi, ça donne pas trop envie. Ouais, c'est une couleur de vomi, moitié, je sais pas pourquoi. On va goûter les plus bleus là. Ça fait déclair un peu. Ouais, ça fait déclair un peu. C'est bizarre. En tout cas, c'est pas mauvais. Ouais, au revoir. Ouais, le premier que j'ai mangé, c'était pas mauvais. Ouais. Merci. Il y a un goût de ça. Ouais. Oh, la Pokéball, elle est bonne. Le clair, il est pas connu. Ouais, j'aime pas trop le clair. Je me mange. Oh, par contre, moi, la Pokéball, j'aime bien. Oh, putain, c'est collé, ça. Donc là, je vais vous petit éclair les gars. Alors, canon apparemment c'est pas trop beau. Enfin, c'est pas que ça va trop. Ah, c'est pas le. Lui là. C'est pas le gros, tu sais, le gros tour, c'est qu'ils ont la roquetille. Ben, lui là. Ah, peut-être bien, ouais. Peut-être que le petit vert, c'est lui là. Ouais. Le nounours. Peut-être que c'est lui. Peut-être. Ah, bien vu. Peut-être que c'est lui. Je dis comme ça, après je suis pas sûr. Ouais, bah ça ressemble un peu, ouais, la tête, ouais. Ça y ressemble. Hein. Bah franchement, je vais goûter, voir ce que j'en pense. Ouais, moi ouais, franchement, il est bon. Ouais. Après c'est moi, mais oui, après, ça dépend de toi, quoi, c'est ça. Ouais, bon, bon. Du coup, je vais. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je vais goûter les petits clairs. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Ouais, effectivement, l'éclair est moins bonne. C'est bon en soi, mais c'est pas le meilleur. Ouais, c'est pas le meilleur. Non, franchement, oh, ouais. Hein. Il a un bon goût, il a un petit coup de pomme, on dirait. Ouais, un peu, ouais. T'as raison. Oh. Et Pikachu, moi je trouve qu'il a un petit coup de banane. Ouais, c'est mon poisson. Ouais, t'es sûr que ça ressemble à Pikachu là? Ah, mais si tu mets comme ça, je suis con. Mais si, c'est sa tête en fait. Je suis con. Oh, ouais. Mais oui. Oh là 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 là, mais moi je suis débile les gars, vous connaissez même. Bref, on va goûter le petit cas. Pika 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 Pika.
Bref, on est parti. Ouais, bon, voilà à quoi il ressemble. Hein. Ouais, j'ai une bonne petite tête, franchement. Mais c'est normal, j'aurais reçu des mains, écoutez, la poche qui porte là-bas. J'espère qu'on va pas trop m'englober. Ah non, j'ai une banane. Putain, c'est grand. Oh, le Pikachu, il est grand. Il était rouge aussi. La Pokéball, je pense à un coca. Ah, peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Oh, y'a pas d'autres, ce virus, en fait. Il est bougé où, pareil. Non, y'a pas d'autres. Attends, bon, c'est parfait. Ouais. Oh putain, c'est la Pokéball, elle fait un coca. Ouais. Là, c'est une autre. Ah, attendez. J'ai pas en gros, c'est. Ouais, bon. T'as un peu mal traité. Mais en gros, c'est une autre Pokéball, mais en rose. Peut-être que ça a goût de fraise ou framboise. Par contre, le but est clair, c'est facile de savoir quoi. C'est pas si t'as un petit goût. Je sais pas, merde. Ouais, c'est plus en deux, mais c'est pas grave. On va goûter, non? On va goûter, on va voir ce que ça donne. Ouais, ouais. Moi, j'ai le petit goût du goût. Fraise. Goût de fraise. Oh, c'est pas mauvais. Ah, il est grave bon. C'est grave bon. En vrai, on s'est dit le packaging. Il est bizarre le packaging. Il est bizarre, ça n'aime pas trop. Mais au final. Au final, non, c'est bon. Donc, tous bon. Merde. On apprend à manger avec sa putain. Et regarde, je vais dire sa mère numéro 2, je vais apprendre à manger. Hein. Il mange pas bien, une carte de 12. Ah, mec. Ouais, du coup, je voulais ce que je voulais dire. Non, si, en gros, si, ils sont tous bons, à part lui qui est vraiment l'éclair qui est pas. Ouais, pas les c'est, c'est le pire, quoi. C'est pas le pire. Ouais, je sais même pas. Ouais, c'est reparti. Toi aussi, faut pas, faut, on va pas se cacher. Tous les deux, il y a des grosses bouffes. Donc. Moi, oui. Lui, c'est une grosse bouffe, ça, c'est une grosse bouffe aussi. Ouais, je sais pas c'est quoi le goût, mais c'est pas terrible. Par contre, les nounours qui sont vraiment... c'est vraiment bon. Et moi, je dis... Pour aller avec ça, j'ai jamais goûté une boisson. Ça s'appelle Gimmy. C'est ce qu'on m'a dit, ça venait d'Algérie. C'est une boisson algérienne. C'est du gingembre avec du citron. Je connaissais pas cette marque. Bon bah c'est ça. Bonjour, j'ai goûté ça lundi, j'ai bien aimé. C'est du gingembre avec du citron, ça vient de notre main, ça vient de, d'Algérie. Du coup on va goûter ça. Alors ce que ça donne. Apparemment ce que tu me disais c'est un peu amer. Ouais, c'est un peu. T'as au début, t'as le goût amer. Et après t'as le goût de citron, ça vient pas juste, c'est super bon. Alors moi, faut savoir que les gars de base, j'aime pas trop les boissons un peu amères, tu vois. Genre tu vois, le shot tonic, moi j'aime pas ça, tu vois. Ouais. Tu vois, la, genre tout ce qui est... bon, bière et tout, bon, tu vois, c'est un peu amer. Hein. Je suis pas fan. Ouais, bah oui. Et... Tu vois, là c'est pas pareil que les autres. Voilà. En tout cas, ça sent citron. Ça sent citron. Si tu veux savoir... Non, je te dirai après. Bois, je te dirai. Ah, vas-y, vas-y. Je vais faire, mais en vrai, c'est pas si dégueulasse. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir? C'est vendu sous la marque de Schweppes Tonic. Sérieux? Je suis sérieux. Non. Tu regardes sur la truc, c'est écrit vendu sur Schweppes Tonic. Ah putain, ah ouais, par contre, non, derrière. Une marque de Schweppes International Limited. En fait, au début, ça va, mais à la fin, t'as le goût de. Enfin, t'as le goût de la mer, enfin, du gingembre. Enfin, vu que c'est la mer, bah, ce que je disais, moi, tout ce qui est la mer, c'est pas vrai. En fait, le début ça va, mais à la fin ça reste, je sais pas faire. Tu vois, tu écris là. Ouais.
Là, une marque de shoots international limited. Mais c'est algérien en fait. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi, c'est une marque algérienne après les scouts. Ok. C'est vraiment une marque algérienne, ça je sais pas, mais. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Bah en vrai, le début ça va, t'as vraiment le goût de citron. Mais en vrai, enfin, le goût amer il reste dans ma bouche. J'aime pas ce qui est amer. C'est. Bah moi, mon devoir c'était de faire écouter ça. J'ai vu le chat qui Ouais, bah oui. Je me suis dit, le retour, on va le faire goûter ça, voir ce qu'il en pense. Ouais, tu vois. Début ça va, hein. Vraiment, au début ça va, t'as vraiment le goût de citron. Mais après, t'as le goût du amer qui passe par-dessus. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment tout ce qui est amer, j'aime pas. Ouais. Donc moi t'auras le côté. Ouais j'aurais goûté les goûter, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc Mais les gars, c'est pas tout. Pourquoi j'ai enlevé le goût dégueulasse. C'est vrai de mon rito mon pote. Ah ça par contre ça c'est bon ça. Ça c'est bon. T'es bruit ni tombe mon copain. Citron vermante. Je sais pas si on va voir très bien la caméra, il y a un petit faux jour. Ah c'est bon. Là, citron vert et menthe. Non franchement, et Morito, enfin ouais Morito oui je vois. C'est 29 Morito, c'est trop bon. Oh. Alors, gaffe, pas se couper en ouvrant une canette, ça serait bon. Ça sera un tournage de vidéo. Ouais. Du moment en passant. Du plaisir. Et non franchement. Ça passe bien les deux. Mmh. Ah ça. Une pépite. Oh, il est dit. Ça c'est une pépite. C'est vraiment bon. Mais ouais, tu vois, ça, bah ouais, vraiment le début est vraiment bon. Mais à la fin, t'as vraiment le goût du amer qui reste dans la bouche et ouais. Toi, je suis pas fan. Quoi. Bah. Moi, pour au moins j'aurais goûté. J'aurais découvert autre chose. Pourquoi pas, et je pense que c'est bien. Mmh. Ouais, ça change, c'est vrai que ça change les boissons d'habitude, parce que d'habitude, toi, je suis beaucoup coca. Ouais. Puis je suis beaucoup aussi, tout ce qui est grenadine, menthe et tout ça. Ouais. Ouais, ça change, ouais. Bah, c'est encore, vrai, comme on le dit, hein. Parce qu'on a les mêmes goûts, tout le monde a des goûts différents. Ouais. Et en soi, t'as goûté, t'as pas aimé, bon, bah, ouais, bah, ça arrive à tout. Mais moi, il y a des choses que j'aurais tout le pas goûté, que je vais pas aimer. Bah oui, c'est pareil, hein. c'est la même chose. Forcément. Du coup, voilà. Forcément. Les gars. Les gars. Il y a un truc que je veux qu'on fasse. Likez, abonnez, partagez, partout, famille. Et dites-nous en commentaire si cette vidéo vous avez plu. C'est très important ça. Ouais. Surtout si. La petite cloche qui fait plaisir. Ça, la cloche c'est très important les gars. Ouais. Comme ça vous recevrez me rend toutes les notifs de vidéos, de live aussi, même si j'en fais plus au goût. Parce que en ce moment ça va pas du tout. Je sais pas si c'est Mako ou mon PC qui bug. De toute façon je pense que au bout d'un moment je vais acheter un nouveau PC. Bon ça. Alors ça dans 3-4 ans mais ouais. Je vais racheter un nouveau PC en tout cas ça c'est sûr. Juste pour les lives et tout ça. Juste pour les vidéos, live, enfin voilà. Mon autre PC que j'utilise en ce moment, je vais garder juste pour les montages. Et puis l'autre, je vais essayer de le faire pour les tournages et puis pour les lives. Bon. Donc parce que là, ouais, je fais tournage, montage, plus live avec l'autre. Je pense que c'est beaucoup pour lui. C'est pas un PC, c'est pas un ordi de luxe. C'est vraiment un petit ordi juste pour bosser comme ça vite fait. Donc je pense que si je fais les montages et poster les vidéos rien qu'avec lui, ça lui suffira amplement je pense. Donc, donc voilà. Je pense qu'un peu plus tard je m'achèterai un PC un peu plus puissant qui fasse tous les lives et tournages. Donc voilà. Donc je verrai ça peut-être à mon anniv ou enfin pour mon anniv je m'achèterai ça ou pour Noël, enfin voilà n'importe. Hein. Je vais faire montrer deux amis. Ouais voilà. Pour un petit vlog par exemple. Ça, c'est rien. Avec moi, faut me surmonter tout. Et c'est très bien que moi, je suis capable de tout. Non, dans les montagnes. C'est très bien que je sois capable de tout, que... Là, il y a un truc. Surtout, demain, il va l'en sortir dans sa boîte à lettres, hein.
Mais c'est très bien. Hein, oui, oui. Ah bah je te connais maintenant. Je te connais bien. Genre, tous ces amis, ils connaissent comment je suis, c'est comment je travaille, c'est comment je... Ouais. Je manie mes faits. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, les gars, je pense à un truc. Dans une prochaine vidéo, je vais pas en parler maintenant. Je vais pas en parler là, mais j'aurai un très très grosse chose à vous dire. Du coup, je voulais vous dire, voilà. Je vais pas en parler dans cette vidéo, mais voilà, j'aurais vraiment un gros truc à vous dire. Pas difficile, mais je peux pas y arriver. Du coup, voilà, j'aurais vraiment un très gros truc à vous dire. Et enfin, même plusieurs, même, c'est une chose à vous dire. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, j'attournerai les gens dans leur envie, puis dès que j'aurai le temps. Donc, c'est-à-dire, peut-être pendant les vacances, voilà. Peut-être pour les vacances. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo, les gars, vous a plu. Oui, attendez. Oui, il reste quand même pas mal de monde. Hein. Il reste pas mal. Ouais. Il reste quand même pas mal. Si cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas, toujours comme d'habitude, on le répète assez dans les vidéos, les pouces bleus. Là, les pouces bleus, merde, je me trompe de sens. Voilà, les abonnements, très très important, les abonnements avec la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous mettrai le lien de la chaîne, de ses réseaux, de tout ça, de ma chaîne, enfin de moi et de le B. Bref, du coup, voilà, faites tout ça, les gars, ça ferait super plaisir. Ça ferait très plaisir aussi à toi. Bah oui. Voilà. Ça fait plaisir à nous deux. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prochain live peut-être, si j'en refais un autre. Peut-être pour les 4 ans de la chaîne qui arrivent très vite, hein, au mois d'avril. Ça va arriver assez vite je pense. Hein. Voilà. Bref les gars. Salut à tous. Salut tout le monde. Oh. Ah. On vous dit à tout à l'heure. Et à pas partir. Ça, c'est un bon.